Alors, je suis la cadette d'une famille de 8 enfants. On habitait la Pointe à Bernard à Shawinigan, ça c'est coin Première et des Cèdres. C'est un milieu qui était pas riche-riche. On disait pas qu'on était pauvre, on disait on n'est pas riche. Ma mère a perdu la vue progressivement. Lorsqu'elle m'a eue, je crois pas qu'elle m'ait beaucoup vue. Et elle m'a toujours considérée comme son poteau de vieillesse. Donc, c'est moi qui la conduisais, par exemple, pour aller à la messe. Ça comptait de l'âge de 4-5 ans. Ben, c'était toute une responsabilité parce qu'il ne fallait pas qu'elle tombe. Il fallait que lorsqu'elle rencontre des gens, elle le sache pour pouvoir les saluer. Parce que ce qui était très important pour elle, c'est qu'on ne sache pas qu'elle était aveugle. Donc, imaginez un petit mouvement de la main pour indiquer qu'on est rendu à une chaîne de trottoir. Un autre petit mouvement de main, mais différent, pour indiquer qu'on rencontre quelqu'un et qu'il faut saluer. Un petit mouvement à gauche, parce qu'on doit tourner à gauche, ainsi de suite. Et là, je pense que je vais vous raconter une de mes plus grandes peines de mon enfance. Je vais à l'école. J'ai comme sauté ma première année. Alors, je suis passée de la maternelle à la deuxième année. Et là, ils ont instauré je dirais pas un règlement, mais on demandait aux enfants le dimanche d'aller se placer dans l'allée centrale à l'église. Et si on le faisait, si on allait avec notre classe, bien, on nous donnait une image le lundi matin. Bien, j'ai parlé de ça à ma mère. Ma mère a dit, « Bien voyons, je ne peux pas aller m'asseoir avec les petites filles de ta classe, ça n'a pas de bon sens. » Elle m'a dit, « Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'allée latérale, tu vas te placer tout près des petites filles de ta classe, fait que comme ça, ça va fonctionner. » Très important qu'on ne sache pas que ma mère ne voit pas clair. Donc, on va communier. Alors, par la main, je la tiens, je la conduis pour indiquer que le prêtre est arrivé à sa hauteur. Je lui serre la main, donc là, elle peut tirer la langue. Et on revient à notre place. Et bon, tout se passe très bien. Puis, je suis vraiment là, vis-à-vis les petites filles de ma classe. Lorsque j'arrive le lundi matin, j'ai pas droit à l'image parce que j'étais pas assise avec les petites filles de ma classe. Et je vous dirai quelques minutes plus tard, on est à la leçon de tricot et la sœur qui nous enseigne me dit « Oh ben, regardez ça, notre petit bébé qui va communier en tenant sa petite maman par la main. Hey, c'est un petit bébé lala, ça, hein? » Moi, comme je ne peux pas dire « Ben non, c'est parce que je conduis ma mère, puis ma mère ne voit pas clair, je n'ai pas le droit de le dire. » Ma réaction, c'est de partir à pleurer. Et de pleurer, là. Je pense que j'ai vidé toutes les larmes de mon corps. Et là, la réaction de la religieuse, ça a été de dire, « Bien, vous voyez bien que c'est un petit bébé. » Elle pleure encore notre petit bébé Lala. Quelques jours plus tard, elle est venue s'excuser parce qu'elle a appris que ma mère, non pas qu'elle était aveugle, mais qu'elle ne voyait pas clair. Mais je vais vous dire que le mal était fait. Et cette blessure-là, je pense qu'elle ne va jamais quitter. De devoir, fidélité à ma mère, de ne pas le dire, puis en même temps, qu'on ne reconnaisse pas que j'avais fait un effort, par exemple, pour aller m'asseoir avec les petites filles de ma classe tout proche. Alors, ça a été vraiment une blessure qui ne m'a jamais quittée. Mon père était imprimeur. Il y avait une grosse imprimerie à Shawinigan sur la rue Mercier. La rue n'existe plus aujourd'hui. Cette section-là est devenue un petit centre commercial et une place publique. Et c'est Perrault, éditeur et libraire, qui est exactement à l'emplacement de la librairie de l'imprimerie de mon père. Et cette imprimerie-là a été un peu comme un noyau pour toute la famille, en ce sens que tous les mercredis soirs, par exemple, on se réunissait à l'imprimerie, toute la famille, pour assembler les petits journaux. Alors, imaginez, des journaux fraîchement imprimés qu'on assemble, on arrive avec les mains toute noire. Et là, je suis avec ma sœur, ma sœur la plus près, ma sœur Mado, qui est ma sœur amie. Et on est tellement sale là, qu'on revient par les ruelles parce qu'on n'ose pas passer par les trottoirs de peur de rencontrer des gens qu'on connaît. Mais c'est un souvenir impérissable aussi. C'est mercredi soir à l'imprimerie. Et je pense que d'avoir grandi dans cette odeur-là
de l'encre et du papier. Je me demande jusqu'à quel point ça m'a pas influencé pour choisir ma deuxième carrière, si je puis dire. Mais ça a été important, en tout cas. Quand j'étais petite, mon parrain n'était pas là. Il était aux études à l'extérieur. Il va revenir, il va redevenir très présent à compter de mon adolescence. Mais j'aimerais, au niveau de mon enfance, mettre une lumière sur le rôle de mes frères et sœurs, mes autres frères et sœurs, parce que, comme j'étais la dernière, que j'étais très tannante, il arrivait que ma mère, excédée, dise « Je vous donne 10 cents et sortez-moi là celle-là. » Alors là, 10 cents, ça permettait d'acheter un frit. Et là, on partageait le frit avec mon grand frère ou ma grande sœur. Mais je pense que ce qui a sauvé toute la famille de peut-être de la dépression, c'est qu'on m'a abonnée à la bibliothèque municipale à l'âge de 5 ans. Et là, à compter de ce moment-là, je suis devenue boulimique de lecture. Tellement que, vers l'âge de 11 ans, j'avais lu tout ou à peu près tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque des jeunes et j'avais eu la permission spéciale d'aller me chercher des livres dans la bibliothèque, à la bibliothèque des adultes. Et là, je peux vous dire que les premières choses que j'ai lues, ce sont les livres de l'inspecteur Maigret. Et je crois que je les ai lus de A à Z, tous. Alors, Georges Simenon n'avait plus de secret pour moi. Alors, comme ma mère ne voyait pas clair, c'était une femme très inquiète. Quand mes frères et sœurs étaient à l'école, moi, j'étais confinée à la galerie en arrière de la maison. Mais j'avais une vue incroyable sur la rivière Saint-Maurice. Dans ce temps-là, il y avait du flottage, non pas de pitoune, mais de bio. Et il y avait une treille à bio que je pouvais observer à loisir toute la journée. Mais la rivière Saint-Maurice n'était pas couverte de part en part de bio. Il y avait des belles éclaircies d'eau. Et cette rivière-là a toujours été pour moi un amour. Ça a toujours représenté pour moi un amour. Et cette odeur-là qu'elle avait, la rivière Saint-Maurice, tu sais, cette odeur d'écorce qui tombe dans l'eau et tout, là, c'est aussi un souvenir impérissable. J'étais donc prisonnière de la galerie, mais les histoires que je pouvais me fabriquer dans ce petit environnement-là, avec le bruit des pitounes qui dégringolent de la treille à bio, je pense que ça a pu influencer bien des choses dans la suite de ma vie. Ma mère, qui ne voit pas clair, elle n'est pas aveugle, elle ne voit pas clair. On n'est pas pauvre, mais on n'est pas riche. Toute mon enfance, j'ai entendu ma mère nous répéter comment on était chanceux d'avoir 3 repas par jour, comment on était chanceux d'avoir une belle famille. Alors, elle ne s'est jamais attardée à ses manques, elle est toujours allée du côté positif. Et je crois que le mantra qu'elle m'a inculqué, d'une certaine manière, c'est « On n'est pas riche, vous n'aurez pas d'héritage. Le seul que vous aurez, c'est votre instruction. Instruisez-vous, mes petites filles, à nous parler à ma sœur, Mado et à moi. » Et ça, je pense que ça m'a guidée et ça m'a aidée à poursuivre, malgré les difficultés, malgré le manque d'argent et tout ça, à poursuivre pour pouvoir avoir un baccalauréat. Pour moi, c'était comme le minimum, c'était important. Ma première carrière, je peux dire, a été d'enseigner. Et ça, je l'ai désiré du plus profond de mon cœur. Quand j'étais petite, je faisais asseoir mes petits compagnons, mes petits voisins, mes petites voisines dans l'escalier. Et là, je faisais semblant de leur enseigner. C'est un désir que j'ai eu en moi, je vous dirais, de tout temps. Et
au fur et à mesure, puis j'ai adoré enseigner, même que souvent je me réveillais le matin en disant, quand je pense que je vais être payée pour faire ça, tu sais. Puis je pense que quand on aime ce qu'on fait, ça resplendit, ça rejaillit. Hier, j'ai rencontré une de mes anciennes élèves qui était avec sa fille, sa grande fille de peut-être 16-17 ans, et elle lui a dit, je te présente mon prof préféré. C'est une joie, j'ai ressenti une joie parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais après tant d'années qu'on me le redise, c'est quelque chose. Ma sœur Mado. Ma sœur Mado a toujours été très importante dans ma vie. Quand on était petite, on jouait ensemble. C'est ma sœur qui a 3 ans et demi de plus que moi. Elle a été mon initiatrice, elle a été ma compagne de jeu, elle a été peut-être la personne avec qui je me suis le plus chicanée. Il y a été des moments où j'étais juste un chien de poche pour elle, mais il y a eu d'autres moments bénis qu'on a vécu ensemble. Par exemple, nos retrouvailles. Elle était pensionnaire, lorsqu'elle revenait, on se faisait des soirées de « trappelles-tu ». Te rappelles-tu telle chose? Et ça n'avait pas de fin, tellement que ma mère se levait pour dire « Arrêtez de parler, les petites filles, vous m'empêchez de dormir. » En fait, arrêtez de rire aussi parce qu'on a ri. Comme ça ne se peut pas. Et Mado a traversé la vie avec moi. Et depuis que je suis écrivaine, elle est ma lectrice. Elle m'a aidée à faire des recherches, par exemple, pour Anne Stillman. Elle m'a accompagnée en Angleterre, sur l'île de Guernsey, en France, où ensemble, on a fait des recherches. Et, hier soir, on est allé à un spectacle. Elle m'avait réservé des places dans une boîte à chansons. Il n'y avait pas de numéro. C'est quelqu'un qui est présent dans ma vie depuis que j'ai ouvert les yeux, je pense. Et je l'aime. La première fois que je suis tombée en amour, là, j'avais 11 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Le petit garçon demeurait au-dessus de chez moi. Et lorsque je le voyais arriver à l'avant, je courais dans la maison. J'allais me poster à la fenêtre derrière pour le voir monter l'escalier. Le cœur me débattait, les jambes molles et tout. Et ça, j'ai reproduit ça à plusieurs reprises dans mes romans, à savoir comment même lorsqu'on a 11 ans, on est capable d'avoir des émotions très fortes. À compter de l'âge de 13 ans, j'ai à peu près toujours eu un petit chum. Ça pouvait durer quelques semaines, quelques jours ou quelques mois. Et à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a demandé pour sortir avec lui, mais je me trouvais trop jeune. Là, tu sais, quand tu sens qu'avec quelqu'un, ça peut être sérieux, je me dis, oh non, non, je veux encore sortir avec les filles, je veux encore aller danser, je veux encore être libre. Mais quand j'ai su qu'il était allé à un party avec une autre fille, là, j'ai pris le téléphone et je lui ai dit, tu sais, l'offre que tu me fais au printemps dernier, qu'on sorte ensemble, puis sa réaction, je la bénis aujourd'hui, parce que s'il avait dit, ah oh, oui, on veut voir toi. Il a dit, ben, laisse-moi y penser quelques semaines. Elle a l'orgueil, là. Elle a l'orgueil, en a pris un coup. Mais finalement, c'est quelqu'un qui fréquentait. Bon, on était à l'école normale ensemble. Lui était une classe plus avancée que moi, mais il y avait une journée dans la semaine où on avait des options au même endroit, des cours au même endroit. Et là, je l'ai revu. Et là, il est venu me reconduire. Et là, je vous dirais qu'on est vraiment, on s'est vraiment arrimé. Et on est encore ensemble aujourd'hui. C'est mon amant, c'est mon ami, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, c'est mon premier lecteur. Il m'a dit, si tu as besoin de moi, je serai là. Mais ne me demande pas d'être public comme tu l'es, je l'ai été toute ma vie. Et là, je le respecte. Je respecte ça. C'est vraiment un cadeau du ciel. Mon père imprimait donc 2 hebdomadaires.
Et il avait insisté pour que l'un d'eux se nomme l'Histoire. Mon père, c'était un nationaliste. Il faisait partie de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et j'ai su bien plus tard dans ma vie qu'il avait fait partie de la patente, c'est l'Ordre de Jacques Cartier. Et à un moment donné, il y a eu un congrès provincial. Tu sais, c'était secret, ça, ces cellules-là de l'Ordre de Jacques Cartier. Et il y a eu un congrès provincial, donc, et mon frère Jacques est arrivé nez à nez avec mon père. Et il lui a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites là, paix? » Mon père lui a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon fils? » Ni l'un ni l'autre ne savait que l'autre faisait partie de la société de l'Ordre de Jacques Cartier. Alors, ce bain d'histoire-là, bon, a-t-il influencé mon frère? Sûrement. Moi, je sais que ça m'a influencé. Ma majeure, lorsque j'ai fait mon baccalauréat en pédagogie, c'était une majeure en histoire. Ma sœur Mado a toujours été une amoureuse de l'histoire et aujourd'hui, elle fait partie de la Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan. Elle est dans le conseil d'administration. Elle est un membre très actif sur qui ses compagnons et ses compagnes comptent beaucoup. À l'adolescence, j'étais vraiment partagée entre, par exemple, la musique des chansonniers, aller dans les boîtes à chansons, les chandelles qui coulaient sur les bouteilles de Chianti et tout ça, les spectacles de chansonniers aussi, et les danses, la musique populaire, les Beatles, ainsi de suite. Et chaque samedi soir, ça, c'était sacré, à compter de l'âge de 14 ans, parce que j'aurais bien aimé y aller avant, mais ma mère ne voulait pas. À compter de l'âge de 14 ans, tous les samedis soirs, j'allais danser. D'abord à l'école Saint-Maurice, où on avait un orchestre live qui imitait les Beatles, justement, et un peu plus tard, à l'école Saint-Bernard. Alors, c'était l'endroit où, on se rejoignait la gang de filles, et où là, on reluquait avec qui on aimerait danser, tu sais. Et quand on appelait ça un kick, d'accord? Quelqu'un là, que tu dis, que j'aimerais ça qu'ils viennent me demander pour danser, parce que dans ce temps-là, les filles n'allaient pas demander les gars pour danser. Et là, j'avais une de mes amies, Daniel, qui demeurait sur la 5e rue. Et la 5e rue à Shawinigan, là, c'était du monde le vendredi soir et le samedi, de la rue de la Station presque à la rue des Cèdres. Et on avait de la difficulté à marcher tellement il y avait du monde. Et là, j'appelais mon amie pour lui demander « Est-ce qu'il y a du monde sur la 5e? » Mais elle savait que du monde, c'était une personne. Et là, elle disait « Non, il n'y a personne sur la 5e ce soir, mais il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 500, 1000 personnes, je ne sais pas. » Alors, on avait nos espions. Ça, c'était important. Les filles, on se protégeait. Puis si jamais on voyait la personne avec une autre fille, là. Mais on était assez honnête pour le dire à notre ami, ça va pas très bien, là, tu sais. Mais le samedi soir, aux danses, ça passe comme une balle. On est toujours sur la piste de danse, sauf pour les plaintes, mais je vais te dire que ça n'arrivait pas souvent qu'on était toutes seules à attendre pendant les plaintes. Quand ma mère a rencontré mon père, tout le monde lui disait, « Va pas avec ce gars-là. Marie pas ça, ce gars-là. Il est malade. T'auras jamais d'enfant. » Et elle a dit, « Je l'aime. Le temps qu'on va passer ensemble, c'est le temps qu'on va passer ensemble. » Finalement, ils sont restés 30 ans ensemble et ils ont eu 8 enfants. Sauf que mon père, effectivement, a toujours été malade. Il avait un cœur hypertrophié. Je crois que l'ambulance est certainement venue chez nous au moins 12 ou 13 fois pour l'amener à l'hôpital. Puis c'était toujours supposé être la dernière fois. Mais non. Il revenait. Puis c'était un homme de bonne humeur, c'était un homme positif, c'était un homme amoureux aussi. Je pense que mes parents ont été amoureux toute leur vie. Ouais, quand ma mère disait « Vis là! » Peut-être à la 13e crise cardiaque, mais là, mon père est décédé. J'avais 9 ans. Et là, je pense que c'est là que mon frère parrain, mon frère Jacques, a pris son rôle vraiment au sérieux. La première fois que je suis allée au cinéma, c'était avec lui. La première fois où je suis allée aux États-Unis, c'était avec lui et sa famille. Des premières, j'en ai vécu beaucoup avec lui. Et pas qu'il était présent au jour le jour, mais quand je criais au secours, il était toujours là.
Par exemple, c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire mon baccalauréat. Parce que ma mère, comme j'étais son poteau de vieillesse, elle ne voulait pas que je parte de Shawinigan. Et à Shawinigan, il y avait un brevet B qui est l'équivalent du cégep, aujourd'hui. Mais donc, moi, je voulais faire mon baccalauréat, je voulais avoir un diplôme universitaire. Et c'est mon frère qui me dit, lorsque je me suis confiée à lui, « Tu vas le faire, ton baccalauréat. » Et c'est lui qui a convaincu ma mère de me laisser aller pensionnaire. J'avais 15 ans quand je suis entrée à l'école normale. Évidemment, j'étais la plus jeune, mais avec Daniel. Daniel avait eu sensiblement le même parcours que moi. Sauté sa première année, sauté sa sixième année. Donc, on était au moins deux dans notre condition. Et par la suite, quand j'avais des travaux d'histoire à faire, mon frère était archiviste au séminaire de Trois-Rivières. Alors, il m'amenait pour que je puisse consulter des documents, là, des documents de première main. J'ai eu accès à ça pour faire mes travaux. Alors, je me calcule vraiment privilégiée, puis de sentir ces vieux documents-là, c'était inspirant. Par la suite, c'est lui qui m'a présenté mon éditeur. C'est... Puis je me suis dit, oh, est-ce que j'ai du talent ou si on a voulu faire plaisir à mon frère? Puis l'éditeur me dit, écoute ma petite fille, au prix que ça coûte publier un livre, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amitié. Alors j'ai compris qu'il avait aimé l'histoire que j'avais écrite. Mon frère est mon lecteur encore aujourd'hui. Tous mes livres, tous mes romans historiques, tous les livres où il y a une connotation historique, il est là pour vérifier. Et je sais que je peux avoir confiance en lui. Quand mes parents m'ont eu, ils avaient la mi-quarantaine. Ils étaient de l'âge des grands-parents de mes amis. Ils ont fait vraiment de leur mieux. Je les adore. Je garde d'excellents souvenirs. Mais moi, je me suis dit, si je n'ai pas d'enfant à 25 ans, je n'en aurai pas. J'ai rencontré mon conjoint jeune. Disons qu'il n'était pas tellement prêt à faire des bébés rapidement. Mais finalement, à l'âge de 21 ans, j'ai eu mon premier enfant, Jean-François, et quelques années plus tard, mon deuxième, Nicolas. Je vous dirais que si on me demandait quelle est la plus belle réalisation de ta vie, sans hésiter, je vous dirais mes enfants. J'étais petit, je les regardais, je les admirais, je les trouvais beaux, ils parlaient, je prenais des notes pour me rappeler de leurs paroles, de leurs bons mots et tout ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas crié de temps en temps, mais ma mère me disait souvent, « Écoute, t'es patiente avec tes enfants, expliquez, puis réexpliquez, mais j'aimais ça. » C'est des enfants qui ont été adorables. Et aujourd'hui, je suis grand-maman. Je suis grand-maman de Michael et de Cassandra. Cassandra, je l'ai connue quand elle avait 5 ans. Mais c'est une petite fille adorable, de qui je me sens très proche aujourd'hui, tellement proche que nous avons un projet en commun. Quand elle avait 12 ans, elle me dit, oh, c'était au lancement des carnets de chorale, troisième tome d'Anne Stillman, elle m'a dit, « Louise, si jamais tu écris un livre pour enfants, j'aimerais l'illustrer. » Et c'est toujours resté dans ma tête. Puis là, Cassandra est allée rester avec son père en Ontario, je ne la voyais plus. J'ai eu peur de la perdre et finalement, je me suis rappelé ça et je me suis dit peut-être que ce serait un projet qui pourrait nous rapprocher. Bon, on est là-dedans aujourd'hui. On ne peut pas s'improviser musicien si on n'a pas l'oreille, mais comme l'écriture est une technique, l'écriture est abordable pour toute personne qui veut s'initier à cet art-là. Et je me suis dit, moi, je suis une travaillante, je vais réussir. Si oui, c'est abordable, si on n'est pas obligé de naître écrivain, je vais y arriver. Puis effectivement, j'ai travaillé très fort et ça m'a pris 10 ans de recherche et 12 ans au total, 10 ans de recherche, mais plusieurs années d'écriture aussi pour écrire les trois tomes d'Anne Stillman. Anne Stillman, Le procès, Anne Stillman, De New York à Grandance. Et on aurait dû l'appeler Anne Stillman, Les carnets de Cora. Présentement, ça ne s'appelle que « Les carnets de Cora », mais c'est quand même le troisième tome de la trilogie sur Anne Stillman. Puis, le désir
d'être libérée du harnais de la biographie m'a envahie et j'ai décidé d'écrire un roman contemporain. Alors, je présente mon projet à ma maison d'édition qui est Libre Expression. Ils acceptent mon projet et là, je reçois un téléphone du centre diocésain me disant qu'on m'avait pressenti pour écrire la biographie de l'abbé Roland Leclerc. Mais tout de suite, par souci d'honnêteté, je leur ai dit « Je pense que vous vous trompez de personne parce que moi, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé que votre organisation ne me convenait pas. Parce que, tout simplement, il y a une femme qu'on admire vraiment dans la religion catholique, c'est la Vierge Marie, puis je ne réussirai jamais à l'imiter. » Mais on m'a dit « On voudrait quelqu'un de l'extérieur. » Bon, j'ai dit « Je vais aller plus loin. Tout ce que j'ai conservé de mon éducation judéo-chrétienne, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. » Ils ont dit « Vous avez conservé l'essentiel. » Mais comme mon projet de roman contemporain avait été accepté chez Libre Expression, j'ai demandé une semaine pour réfléchir, en fait, une semaine pour trouver les mots, pour dire non, sans blesser personne. Mais finalement, avec quelques consultations, dont mon éditeur chez Libre Expression, ça m'a convaincue finalement que je ne devais pas passer à côté de cette histoire-là. Je devais y consacrer un an, j'y ai consacré 3 ans. Je veux juste vous dire qu'on n'écrit pas pour faire de l'argent. Si on était payé à l'heure, ouhou là là! Je pense que ce qui est important, c'est la passion de réaliser un projet, de le mener à bien, et tout ce que ça peut nous apporter, c'est bien plus que de l'argent. C'est une richesse du cœur, une richesse de l'âme, qui, c'est un pléonasme, mais qui n'a pas de prix. Alors, une fois la biographie de Roland Leclerc écrite, là, je me suis lancée dans l'écriture de Lune bleue, mon roman contemporain, qui est, je vous dirais, un petit baume sur le cœur pour les personnes qui croient peut-être encore à l'amour. Et chacun de ces livres-là, là on est rendu les 3, Dan Stillman, Roland Leclerc, Lune bleue, chacun est devenu un best-seller au Québec. Et là, je me suis dit, est-ce que j'arrête ou je continue? Je suis au milieu de la rivière Wessonneau, il y a de la brume, et là, je me dis, si j'arrête, je me prive de quel plaisir? Du plaisir de la découverte, du plaisir de la recherche, du plaisir de la création. Et là, j'ai vraiment décidé de continuer. Ma maison d'édition a embarqué dans mon projet de roman historique et c'est là qu'a été conçu les 3 tomes de La Saline. Je passe presque la moitié de ma vie dans la forêt, où il n'y a pas d'électricité à l'endroit où je suis. On s'alimente avec l'énergie solaire. La nature est omniprésente. L'eau, la montagne, la forêt, ce sont des éléments extrêmement ressourçants et extrêmement inspirants. Alors, après les 3 tomes de La Saline, il y a un projet, j'ai présenté un projet à Libre Expression de 5 tomes indépendants les uns des autres, indépendants de La Saline, mais dans la lignée de La Saline. Des personnages secondaires qui vont devenir des personnages principaux. Donc, chacun de ces tomes-là est indépendant de La Saline et l'un de l'autre. Mais si le lecteur a aimé La Saline, bien, il va avoir un petit plus, je pense.